to stand up tall. Y'a qu'un à cacher la recette. Autant que c'est plus un secret. On teste ça sans un regret. Bientôt tu nous vois en concert. B2MZ sur scène, tu sais. La rue, poteau, et ça, tout le monde le sait. BZZO, viens voir, c'est chaud. Y'a du nouveau, gros, viens pécho. Y'a 5 sens, mais plein d'acteurs. Je sais que tu danses sur son moteur. On envoie la tape à ta peur. M2S, mais au mode d'acteur. La rue, poteau, et ça, tout le monde le sait. BZZO, viens voir, c'est chaud. Y'a du nouveau, gros, viens pécho. Y'a 5 sens, mais plein d'acteurs. Je sais que tu danses sur son moteur. On envoie la tape à ta peur. M2S, mais au mode d'acteur. La rue, poteau, et ça, tout le monde le sait. BZZO, viens voir, c'est chaud. Y'a du nouveau, gros, viens pécho. Y'a 5 sens, mais plein d'acteurs. Je sais que tu danses sur son monteur. On envoie la tape à ta peur. M2S, mais au mode d'acteur. Je pense qu'on va faire de belles choses ici. Bon, on s'appelle. Ça marche. Vas-y. Walid! Ouais, je savais. Ça va quoi? Tranquille et toi? T'es pas en retard, en plus t'as trouvé l'adresse. T'inquiète, je suis là pour toi. Entre. Ah ouais, ça pue bien la merde ici. La musique. Il est nul ta musique, en plus de ça elle fait mal à la tête. Genre t'as Ariana Grande, elle est mieux. Ariana Grande, espèce de con. Ah, excuse-moi. Et là tu vas où? J'ai fait de la partie maman. Papa il le sait? Mais j'ai 18 ans, je suis un peu ce que je veux de ma vie. Et en plus c'est marrant. Habillé comme ça? Mais je t'emmerde. Excuse-moi. Attends, avant que tu pars, viens goûter ma sauce s'il te plaît. Comme d'habitude, de toute façon. Attends, tiens, un goût, tu vois. Ouais. Mais c'est. Putain, putain, plus. Non, 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 putain, putain, plus. Salut, papa. Salut. Salam, assieds-toi mon fils. Écoute, cette année tu as eu ton bac. Mm-hmm. Tu as eu une très bonne note. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je sais pas. Écoute, écoute, attends. Moi j'ai des projets pour toi. Je te verrai bien, je sais pas, un médecin, un neurologue.
Mais quoi? C'est quoi le problème? Bah, je sais pas, t'as l'air. C'est le domaine médical qui te plaît pas, c'est ça? Non, mais. Mais attends. À la limite, tu vois, de ne pas faire de longues études, ça me dérange pas trop. Moi, mon idée au départ, c'était que tu reprennes une garage familiale. Hmm? Écoute, ton père, il se fait vieux, il a mal au dos. Il continuera pas longtemps comme ça, tu vois. Je compte sur toi, Hamid. Ouais, mais il y a la cuisine aussi. Mais quoi, la cuisine? Tu vas en faire ton métier de la cuisine? Ouais, pourquoi? Tu es sûr? Non, plus sérieusement, Ahmed. Tu me promets que tu reprendras le garage? Ouais, mais. Tu me promets? Ouais. Ouais? Oui. Après conclu. C'est bien, c'est bien. Sabriol la prod. Super Walid. Excellent sur la fin. Vas-y. Vas-y, tu mixes tout ça pour mardi. Ça marche. Rendez-vous mardi du coup. Vas-y. Rentre bien Walid. Ok. Salut. Salut. Tu cherches quelque chose? Oui, c'est ici le studio d'enregistrement? Ouais. Vous avez un petit temps pour moi ou vous comptez partir? J'étais pressé, là. S'il vous plaît, vous avez pas 5 ou 10 minutes pour moi, juste que j'enregistre quelque chose, tous les studios me ferment la porte. Si vous avez pas juste 5-10 minutes pour moi, vous ne serez pas déçu, promis. Ouais, viens. Merci, hein. Merci. Du coup, c'est où? C'est comment? C'est ici que j'enregistre? C'est là? C'est là, ouais. Ok. Du coup, tu veux quoi comme type d'instru? Mais moi, n'importe quel instru, peu importe, je kick, je chante, freestyle, n'importe. Ok. Mais tu sais, tu peux me tutoyer. Ah ouais, c'est bon, désolé. Alors, je vais t'envoyer un truc que j'ai fait récemment. C'est de la drill, ça te va? Y'a pas de soucis. C'est lourd. Quand tu veux. Ah. Sur ta tente, toi tu te fais niquer. Les cochons me prennent en photo pour tous te faire tomber. Il est 3h passé, je suis encore réveillé. Non, je m'arrête pas et je m'arrêterai jamais de gratter. Les instrus se répètent toute la noche. Et moi, je m'arrête pas déplié. Donne ce que tu peux, ouais, donne ce que tu peux, oh, et tu verras que ça va payer. Tu sais que dans le rap, j'ai un putain d'avantage. C'est jaloux, mais jalouse. La force est dans le mental. Je rigole. Mais tu connais la vérité. Toi, tu mineures, tu paieras quand je te rattraperai. En manque d'inspi, j'ai plus trop quoi dire. Je vais quand même continuer. C'est de toi que je m'inspire. Prépare toutes les boules. À 16h, ça attire. T'es une bouquée récidive, on te refera pire. Hein. Mais c'est lourd! Oh, il m'arrive une céphalie, t'es pas prêt? Non. La tête d'oeil, il m'arrive une céphalie de ouf. Là, j'arrive, je marche au passage piéton, il y a une voiture qui passe. Et là, tu vois, sans faire exprès, je touche le rétro avec mon coude. Mais j'ai pas fait exprès, t'as vu? Ouais. Et là, il sort de la voiture. Ouais. Je dis, ouais, c'est pas possible, il va aller jusque là-bas pour eux alors que j'ai à peine touché son rétro. Ouais. Je dis, vas-y, moi aussi, je vais en découdre avec lui. Et là, il vient, comment ça? Il veut mettre une patate, j'esquive. Boum, je m'ai accroché. Déjà là, je l'ai sonné, ouais. Vas-y, miskin. Il scène de la bouche, il veut me cracher dessus, il veut m'aveugler avec son sang. Et là, j'esquive son crachat parce que, bref, je suis trop entraîné par Badrari et champion du monde de Jiu-Jitsu norvégien. Je crois que là, je rigole ou quoi? À un moment donné, t'es là, et là, j'arrive, il met un coup, j'esquive, crochet du droit, boum, crochet du droit, il perd du gauche, direct.
C'était pas terrible, coach, je le sais. Non, t'as pas à t'en vouloir. C'est normal, c'est la reprise. T'inquiète pas, en plus de l'autre côté, ils étaient forts, expérimentés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai prêt pour le deuxième, coach. T'inquiète pas, j'ai confiance en toi, je sais que tu vas y arriver. Il y avait du bon aussi, je le sais, tu vas y arriver, tu vas réussir et on va tout faire pour. Dis-moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire de la boxe? Ce qui m'a donné envie de faire de la boxe? Pour moi, la boxe, c'est plus qu'un sport. C'est plus un refuge. La boxe, elle était là pour moi quand j'avais des problèmes, quand j'avais des soucis. Et la première fois que j'ai tapé dans un sac, j'ai une sensation que je recherche à chaque fois que je monte dans un ring. Et pour moi, c'est ça le bonheur. Si c'est pas le bonheur, ça s'en rapproche. Il y a eu des moments où ça allait mal dans ta vie? Ouais, mais franchement, j'ai pas trop envie d'en parler. Je comprends, je suis désolée. Bon allez, on fêtait ça, je t'invite. Fêter quoi, ma défaite? Pourquoi pas? Je voulais te dire que j'ai trouvé une école. C'est bien ça que t'as trouvé une école. Elle est un peu payante. Ah, une école privée, c'est bien les écoles privées. On payera, tant pis. En plus, elle est réputée, tu vois. Mais dis-moi, c'est dans quel domaine tu veux faire quoi? Médecine, comme je t'ai indiqué hier, ou du droit, peut-être? Non. Non, dis-moi. Il y a eu tous les anciens. Ouais, j'imagine, mais dis-moi, je suis curieux, tu vois, c'est sur la cuisine. Tu veux dire que hier, en fait, la discussion qu'on a eue, tu étais sérieux, quoi. Attends, regarde, en haut. Donc hier, tu m'as promis que tu reprenais le garage. Hier, tu m'as promis que tu reprenais le garage. Ouais. Mon frère ne tient pas ses promesses, tu vois. Cet argent, ben, j'ai payé l'école, quoi. L'école, sans l'accord de papa. Ouais. Je vais essayer de croire. C'est bien moi. Qui ça? RHK? Attendez, le vrai RHK? Oh purée, ce mardi là. Ok, bien sûr, bien sûr. En mardi. Au revoir. RHK. Wesh l'équipe, c'est RHK. J'ai pété vite. Franchement, je pensais pas que j'allais péter aussi vite. Il y a plein de choses qui sont passées, ça m'a changé ma vie. Franchement, faut pas se mentir. Wesh l'équipe, c'est RHK sur Brut. Posez vos questions pour que j'y réponde. Quelqu'un qui bosse depuis quelques mois, quelques années, mais qui commence à avoir une notoriété maintenant. Moi, ouais, j'aime bien. Il a une voix qui lui appartient. Il y a un univers. Il y a un univers, il y a un flow, j'aime bien. RHK dans mon putain de studio! Ouais!
Bienvenue à toi. Merci. Comme tu vois, c'est ici une cuisine, donc les tacos. Mm-hmm. Donc, je te présente Alex, le cuisinier, qui était là depuis le début. Donc, ça fait un an que je l'ai ouvert, tu vois. Donc, nous, ce qu'on fait spécialement, c'est des tacos. Et bon, en ce moment, il n'y a pas trop de clients. Mais voilà, deux fois ça marche, deux fois ça marche pas, quoi. Et notre spécialité, c'est la sauce fromagère. La sauce est tue. Voilà, je vais te témoigner, il est excellent. Donc, je vais te le faire goûter. Okay. Tu m'en diras ce que t'en penses, ok? Allez, tiens. Merci. Allez, vas-y. Ah, désolé. Franchement, ouais. La sauce, tu vois, personnellement, hein, ouais. Il manque quelques trucs. Enfin, c'est pas qu'elle est pas bonne, hein, mais je sais pas, il manque... Sinon, je peux me permettre de la changer un peu. Ouais, pourquoi pas. Ok, vas-y, on va essayer. Vas-y. Voilà mon petit studio à moi. Ouais frère, c'est le début. En vrai, ça va, c'est pas mal. T'as du matos quoi. C'est déjà ça. C'est gentil, merci beaucoup. Ça vous dérange si on s'installe? Bah vas-y, c'est bon. Ok, c'est parti. J'ai tellement de questions à vous poser, monsieur RHK. Non frère, vas-y, pose-les. Monsieur. Super. Bah déjà, dans la logique, comment est-ce que vous avez trouvé mon studio, moi? Ah, ça va, moi, il m'a fait écouter tes prods et franchement, lourd, voilà. Ça pue ça, mais... Ferme ta gueule, toi. Oh, putain, merci beaucoup. C'est la première fois que j'entends ça. Je suis tellement ravi de vous voir ici. Ah, je suis là, frère. Le but, justement, c'est de faire monter les types. D'accord, c'est excellent. D'ailleurs, combien de sons on va faire? Attends, frère, déjà, on en fait un. Après, on regarde ce que ça donne. D'accord, très bien. C'est bon, tout est carré? Super. Vas-y, bon, on peut commencer, alors. Eh, petit. On dirait bien que t'es le seul au stage de découverte. Bon, on y va. Tiens, mets-les. Donc là, au début, ce que tu vas me faire, tu vas me faire un enchaînement direct, comme ça. Tu vas me faire des enchaînements. Ok. Ok. Plus fort, plus fort.
Oh, les bras, s'il te plaît. Restaurant à l'improviste, genre leurs tacos ils sont excellents, leur sauce fromagère magnifique, juste le rapport qualité-prix franchement excellent, je vous le conseille. Et franchement je vous le conseille, je vous mets l'adresse, allez-y foncez. Oh, ça va? Oui. T'as pris l'habitude d'enlever ton alliance, toi? T'as rencontré quelqu'un? Mais oui, le pasteur d'à côté, je l'ai rencontré. J'ai apprends moi ça. Du coup, dépêche-toi, tu vas faire ça. Je suis dans la merde si j'arrive en retard, tu sais ça. Oh, oh, Aaron! Oh, monsieur Stu! Oui, j'ai mis! Mon Brock! Mon Brock! Ça y est, merci beaucoup. Passe tu, ça y est. Puis, là, j'espère que tu vas nettoyer ces rues là de ces microbes, y en a ouais, marre. Ok. Aussi, hein. Là, ça, c'est que c'est bien la classe. Prochaine toi. Sale chien. Je peux vous aider, jeune homme? Faites quoi ici? J'attends pour... C'est mon premier jour. Ah, c'est vous la nouvelle recrue? Ouais. Bienvenue. Merci. Vous êtes... Après, on verra. Ah. Salut. Ça va ou quoi? Tranquillement. Donc on va se présenter à toi, on est à Brigade des Stupes. Écoute, comme tu peux le voir, effectif très réduit. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le navire, hélas. Mais bon, tu comprendras vite pourquoi. Moi, je me présente, commissaire Azdine Belkacem. 17 ans d'expérience et 7 en tant que commissaire. Je vais laisser les autres se présenter à toi. Salut, moi c'est Yanis, commissaire adjoint. Ça fait 13 ans que je suis dans la brigade. Deuxième plus ancien avant Belkacem. Et juste pour te dire que si tu as besoin de quelque chose, tu viens me voir, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Et bienvenue à toi. Ok. Moi c'est Marcus. Voici 5 sur 5, on arrive sur les lieux. Ça marche. Ouais, attends deux secondes. Ouais, dis-moi, c'est quoi celui où tu m'as ramené, frère? C'est quoi cette famille? Ouais, écoute, ça c'est temporaire. T'inquiète pas, je t'ai promis un studio, un bête de studio, tu vas en faire en très bonnes conditions. Fais-moi confiance. Frère, là, un jour ça va, mais je vais craquer. C'est quoi? Non, t'inquiète pas, en plus là, sans devenir, j'étais au téléphone avec le mec. T'inquiète, moi, fais-moi confiance. Ça marche, non? Ça marche? Oh, ok, ça marche. Écoute bien la recrue. Tu vois le gars là-bas? Ouais, avec la casquette. Il s'appelle Wiltor. On est sur le dos de cet enfoiré depuis 4 ans. On n'arrive pas à l'attraper, faute de preuves.
RAS, on y va. Respect les garçons, pas de compte sous la ceinture. Allez, on place le coup. Coup droit, vas-y! Jab, jab! C'est bon, viens, c'est bon. Est-ce que je peux te poser une question simple? Comment est-ce qu'on tue un serpent? Ben, on l'écrase. Toi, t'en penses quoi? Je pense qu'on devrait l'attraper par la tête. La tête. Bien sûr! Faut lui couper la tête. Et c'est qui la tête de ce réseau là? Wiltord. Ça fait 4 années qu'on lui court après et on n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Faute de preuves. Mais cette année, c'est la bonne. Je vais vous proposer 2 opérations. La première, opération descente dans le point de vente. Le but, c'est de rassembler les preuves. Chose qu'on n'a pas faite depuis 4 ans. Opération descente dans un point de vente. On va recueillir but, recueillir. Opération infiltration. Et pour ça, on a.
Et la deuxième, opération infiltration. Et pour ça, on a Aaron, la nouvelle recrue. Ton visage n'est pas connu de la ville, donc tu seras notre top. Pour le reste du plan, je vous en dirai plus tard. C'est bon ? Allez patrouiller. Azine, tu sais que c'est la dernière année, après c'est fini. Je sais, mais t'inquiète pas, je sens, cette fois-ci c'est la bonne. Alex, tiens, ouvre, j'arrive, c'est bon ? Comme, viens voir de suite. Ouais. C'est moi tous les clients. Putain, c'est quoi ce bordel? Attends. T'es où là? Ah mais faut que tu viennes vite là, c'est dingue là. Vas-y, t'attends. Allez les gars, c'est très bien. On a vu ta pause. Michel, viens voir. C'est pas une spécialité. Ok. C'était très bien, je suis content de vous, ok? Je suis très content. Donc il y a eu beaucoup de commandes, plus que d'habitude. Et la sauce fromagère, j'ai eu des avis de retour. Ils ont kiffé, donc on va essayer de continuer comme ça. Mais si on peut améliorer les choses, ce sera pas mal, ok? Donc pour l'instant, c'est très bien. Bon, d'ailleurs, il y a une association au quartier, ok, qui veut faire à manger pour les pauvres. Voilà, ils nous ont demandé si on pouvait participer. Donc ça pourrait être très utile. Donc je vais vous demander si vous êtes dispo mardi. Mardi je peux pas faire. Ah oui. Et toi? Moi ça va. Je te tiendrai au courant. Ok. Et on verra ce qu'on va faire. Ok. Il n'y a pas de soucis. D'accord, ok. En tout cas c'est bien. Mmh. Bravo. Bon, je vous laisse. Et je reviens. Vous avez rangé, c'est bon? Voilà. Bon. Ça y est, je l'ai plus. Non, ça y est, non. Ça y est, ça m'a saoulé. Mais rappelle-toi pourquoi t'as commencé. La sensation, je l'ai plus. Je l'ai perdu, la sensation du début. C'est fini. C'est à quoi de continuer. Putain! Oh, mais dis. Oh, la boxeuse, la boxeuse. Ouais, tu nous sers plus la main, quoi, mais dis. Ça va, quoi? C'est l'autre, ouais, depuis que tu fais de la boxe, je ne dis plus ça, lui. Zap, hein. Plus la main. Tu t'as changé. Mais ta garnette. C'est sûr. Oh, Mohamed Ali, là, la boxeuse, là. Mais viens, reste un peu, on discute. Vas-y. Viens, pose-toi, là. Si vous voulez, là, je vous dérange pas, les gars, non? Viens, vas-y, viens, ça y est. Déjà, zap, là, vas-y. Ouais, ça fait longtemps. Jusqu'à minuit. Demain, il n'y a pas écouté. Ah, on va tuer sur le. Pourquoi tu parles pas? Les gars, venez. Ça va?
Ça va? T'as des problèmes? Vas-y, défonce-moi un peu. Allez, allez, allez. RAS. Trouvez-moi des putains de preuves, là. Allez. Commissaire, regardez. Ouais. On travaille, Yanis. Allez, suivez-moi, les gars. Y'a rien. Moi aussi, j'ai rien trouvé. Putain, putain, putain ! Victor ! Bon, allez, on rentre au Comico. Qu'est-ce qu'il fait celui-là ? Commissaire ! Ouais, quoi ? Bien joué la recrue. C'est bon maintenant, on peut rentrer à la maison. Avance, wesh, putain. Hey, qu'est-ce que tu fous? Stop. Arrête. Arrête, c'est bon. Hey. Bien. Ça s'appelle comment votre chien? Eros. Eros? Pourquoi vous l'avez appelé Eros? C'est une longue histoire. C'est en tout cas Eros, c'est la seule personne qui me reste. Il vous a pas fait trop mal le gars avant? Non, Eros il a rien.
Ça va, Eros? Mais si elle fait du mal, crois-moi que ça va très mal finir. Vous savez, je travaille dans un tacos et on fait beaucoup, beaucoup de gâchis. Du coup, je me dis, en vous voyant comme ça, je suis obligé de venir en aide. T'aimes les tacos, Eros? Il aime les tacos, il aime. Je vous donne ma parole. Je vais vous venir en aide. Salut. Bon courage. J'sais qu'ils veulent tous voir mon cœur en miettes. J'suis dans ma tour, je suis dans le Benz. C'est des traîtres et des baltringues. Me trahissent tous pour de la maille. J'suis dehors et ils se caillent. Mon frère, tu sais, j'ai mal. Touche au proche, je dis salam. J'ai la dalle, il faut tout graille. Donc je mets en mode Saiyan. On s'évade. J'dois recompter. Hé, hey, Rajka! Ouais, ça va ou quoi? Juste pour leur paye, comment on fait? Ah t'inquiète frère, parle avec le manager, il te ramène ça, c'est bon. D'accord, ça marche. Des soucis, j'en ai plein la tête. J'suis pas d'humeur à faire la fête. Y'a que les miens que j'veux rendre fier. Vrai des aides, j'suis solide frère. Tu quittes navire un jour après, t'es oublié. Rajka, juste tu peux un peu te dépêcher, j'ai oublié mon loyer, vraiment. Frère c'est bon, t'inquiète, ça va. Quand t'as le manager, il te ramène ça, c'est bon. Je parle de mon exil. Ouais mon frère, c'est la hesse. Même pas je freine, j'accélère. Ok c'est bon, coup. Arrache-toi. La paye. Non, stop! Stop! J'en ai marre! Tu parles comment toi? Évite de gueuler comme ça, je suis pas ton pote au cas où. Et moi? Là tu dois me payer, je dois payer le loyer! Eh frère, je prends pas les coups maintenant, t'auras rien du tout. Ton studio de merde, ton travail de merde et ton quartier de merde, je prends pas les coups. Mais toi, tu crois que t'es pas une merde peut-être? Bon, attends, t'as dit quoi là? Vas-y, dégage frère! Sale puce, là tu vas faire quoi? Dis-moi, tu vas faire quoi là maintenant? Dégage! Mets-le en terre, mets-le en terre. Police ah, qu'est-ce qui se passe? Bougez plus. Police. Ok, comme ça c'est fait, lui il reste là, il bouge pas. Ah. Dis-nous, t'as mis où ta cam? OPJ de la centrale de Mulhouse. Commissaire Christian Meisterman. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vous notifie votre placement en garde à vue. Pour une durée de 48 heures minimum, pour des faits de détention de stupéfiants et de trafic présumé. Il est 15h19 au studio d'enregistrement. Tu as eu cette cam? Je répète depuis avant, monsieur. Je sais pas.
Il a mis deux ans. Je suis vraiment désolé. Non, mais là, enlève ta main, me touche pas, je t'ai pas touché, me touche pas. Tu sais très bien qu'on peut rester ici. Faut que vous décaliez les gars. On va voir, on va voir. Va où les gars? Les frères. Laisse, laisse, où ça va? Je te demande d'où est-ce que tu l'as eu cette carte. Écoute, c'est bon, trêve de bavardage. Il est où l'État? C'est ça qu'on te demande. La carte, la quantité que t'as eue, c'est pas pour ta consommation personnelle. C'est que tu revends ça, t'es un dealer. Donc dis-moi, d'où t'as eu cette carte? Je sais très bien qu'elle vient de la cargaison Bulletin. Alors? Je suis pas un dealer. Depuis avant, je vous le répète, je suis un artiste. Mon cul, un artiste! De toute façon, tu sais quoi? Ton avenir, il est terminé. Fini! Bon, moi j'en ai marre de travailler ce branquignol. Yannick, viens, on va patrouiller, on laisse les autres. Wesh, wesh, tu fais quoi Nadir? Enlevez-vous, laissez-moi parler les gars. Les gars, il y a sa voiture là-bas, je vais lui casser sa voiture. Il y a ses pneus, vous croyez je vais le tuer ou quoi? Oh, je suis pas con, enlevez-vous maintenant, je vais lui casser sa voiture. Mais tu fais quoi? Comment s'est passée cette garde à vue? Bien? Bah, elle sait pas où les cellules. Bon, le dossier, on l'a étudié de fond en comble. Ça m'a l'air relativement clair et net, hein. T'es pas impliqué dans l'affaire. T'as rien à voir. Mais alors, qu'est-ce que ce bordel foutait dans ton studio? Frérot, je suis désolé, mais tu peux pas t'en sortir comme ça. Ça risque d'être plus compliqué que prévu. À moins que... C'est là que ça devient intéressant. Tu nous aides à avoir des renseignements sur Wiltor. Tu t'infiltres dans leur bande.
Mais tu me donnes tous les tuyaux que tu récoltes. Et après tu sors, hein. Ça te paraît pas bien ça? Parce qu'après, l'affaire elle peut aussi très bien aller au parquet, ça peut très bien se passer autrement. Tu sais, moi j'ai envie de finir cette enquête le plus vite possible et il me faut absolument un responsable. Ok. Qu'est-ce que tu fous là? Tu commences à faire peur, hein. Hey, Ross, il a la dalle. Attends, fais ce que tu veux, juste deux secondes, je me lave les mains, j'arrive. Attends-moi là, hein. Tu viens, c'était bien, et là tu fais n'importe quoi là, c'est pas possible. Tu ramènes un putain d'SDF avec son chien dans mon resto. En plus c'est là que ça commence à bien tourner là, on a eu des clients. Putain, je suis... Et quant à ton SDF, c'est la première fois et la dernière fois que je le vois dans mon resto. Surtout avec un putain de chien. Mais c'est quoi cette image qu'on donne aux gens? Je peux pas accepter ça, je peux pas. Donc je vais pas trop en parler avec toi, donc c'est la fin. Hein. Faut te virer, hein. Je suis obligé. C'est triste, mais je vais te demander de ramener mes clés demain. C'est fini, hein. Je peux pas continuer. Hein. Quoi? Attends, ah non, je t'en supplie, me vire pas, je t'en supplie. Donc voilà. Demain, tu ramènes des affaires et on arrête là, c'est bon? Je dois payer mon école! Ah, désolé. Franchement, je peux plus rien pour toi là, je suis désolé. Tout ça, c'est de ma faute. J'aurais aimé continuer à t'aider, mais là... Là, je peux plus rien, Ça pue. Attends. Ouais. Bon les gars, on est à quelques heures de la mission infiltration. Mauvaise nouvelle. Aaron il est du quartier, du coup ça peut pas être notre top. Donc Marcus, Yanis, un volontaire pour prendre sa place? Moi je pose volontaire. Parfait Yanis. Donc toutes les consignes que j'ai données à Aaron, c'est toi qui vas les appliquer. Juste en termes de localisation les gars. Dans le quartier de Bourtulaire, au nord, Huiltord, on peut le dénicher là-bas. C'est notre dernière opération et dernière chance les gars. Donc je vous fais confiance, pas de cafouillage. C'est clair? Ouais bah ouais. Nickel. C'est parti, allez en place.
Les affaires. Tenez les affaires. Commissaire, je peux m'absenter 2 minutes, j'ai un appel important, s'il vous plaît. Ouais, t'inquiète, vas-y. Merci. On se retrouve après, Yanis. A tout de suite. Ah ouais, dernière petite chose, j'ai oublié de vous dire, très important. Fréquence 1, les gars. Très important, fréquence 1. Et vous le dites au nouveau, s'il vous plaît. Commissaire, je vais me rafraîchir. Ouais, bonne idée, je vais en faire de même. Marcus, tu vas pas? Non, je vais aider Aaron à préparer ses affaires. Oh, ok, c'est bon. Ça, je te l'ai dit, ça, la dernière fois. Je t'en ai parlé, déjà. C'est pas la première fois qu'on se le dit. Bah, écoute. Moi, je... Attends, 2 secondes. Ah, Marcus, c'était quoi? C'était quelle fréquence, déjà? C'est à 3. Ok. Allô? Ouais. Bah, je travaille, moi, non? Faut que je gagne mon pain. Yanis, sois serein. Ne laisse passer aucune émotion. Je vous entends 5 sur 5. Vous êtes tous en place pour la filature, les gars? Je suis en place, chef. Bien reçu, Marcus. Ouais, tu veux quoi? T'as pas un truc à fumer? Si, hein. Attends, je te fous. Toi. Ok, vas-y, tu descends au fond, à gauche et à droite. Bien joué, continue. J'ai pris les billets. C'est cher. Ouais. C'est un truc de ouf. Putain. Parle, je sais pas moi. T'as pas un truc à fumer? Dis-moi, tu vois quoi? Je sais pas, t'as quoi proposer? Écoute, j'ai du chanvre, j'ai de la beuh, tu veux quoi? Un bout de chichon, un bois vin, s'il te plaît. Écoute, Derka, va me chercher un bois vin, là. Et dis-moi, c'est la première fois que je te vois ici, tu viens d'où? Je suis à deux quartiers à côté.
C'est la première fois que je viens ici. Tu viens de quel quartier? De l'autre côté de la ville, à la ZUP. Écoute, tiens. T'as intérêt à pas me baiser au cas où. Tiens, c'est offert par la maison. Agent Aaron, ça fait bien une heure et demie que je suis sur place et que j'attends. À vous. Agent Aaron, vous me recevez? Je crois que je me suis trompé de canal. Fils de pute, c'est un Condé! C'est fils de pute! C'est fils de pute de faire sauter le réseau, c'est les Condés là! C'est les Condés! Yanis? Qu'est-ce qui se passe, Yanis? Oh putain, les gars! Faut partir! Il a sorti les troupes! Aaron, tu me reçois? On est grillés, les gars! Cours, 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 on te rejoint! Bien vu. Fonce. T'es où, putain? Pourquoi tu répondais pas? Putain, on s'est fait avoir. Comment ça? Mais tonton, qui de merde là? Pourquoi? T'étais sur quelle fréquence? Une fréquence 3. Mais j'aurais dit fréquence 1. Ils mais sont les autres. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On m'a mis noir sur blanc, fréquence 3. Ils sont Marcus. Marcus, on s'est séparé avec lui. Yannis, je sais pas où est-ce qu'il est, on l'a perdu. Écoute, je te laisse là, putain, je vais aller les récupérer. Ils sont blessés, putain. Je vais aller les chercher, vas-y. Mais tu vas les récupérer où? Dans ce 3 rats, tu vas te faire fumer. T'inquiète pas pour moi, vas-y. Fais gaffe à toi. Fais gaffe à toi. Commissaire. Yanis, il est... Ça peut pas se passer comme ça. Ça peut pas se passer comme ça. Commissaire, l'enquête, elle va pas s'arrêter comme ça. Elle va pas se finir maintenant, sur ma parole que ça va pas se finir comme ça. Thank you.
Écoute, Ahmed, ta sœur, elle m'a tout raconté. Tu sais, moi je vois ça peut-être comme un signe du destin. Peut-être que ce métier n'était pas fait pour toi, tu vois. Ah, je me répète peut-être, mais peut-être que c'est la solution. Peut-être que grâce à ça, tu vas reprendre le garage familial. C'était une promesse de ta part, Ahmed. Il serait peut-être temps que tu te décides, Ahmed. On arrive à la fin de l'été, le temps passe. Dépêche-toi de prendre une décision, mon fils. Tu veux manger quoi? Rien. Tu veux que je mange? Ouais, si tu veux. Ok. Les hamburgers, en ce moment tout le monde kiffe les hamburgers. Je fais hamburger. Ah, il les fait combien la bille? Il fait 7,50. Vas-y, on va les faire à 5,50. Moi c'est cher, plus de gens viennent, ok? Allez, frérot. Rien, ça sert à rien, rien du tout. Tu sais, quand Eros il va pas bien, ou il est un peu pas bien ce jour-là, ou quelque chose, tu vois, ben en fait, je lui donne du caramel et tout repart, tu vois. De toute façon, la boxe, c'est pas fait pour moi. Eros, en fait, la dernière fois, il voulait monter sur la table. Il galérait. J'essayais de l'aider, de le porter, mais il aime pas qu'on le porte. Ce chien, il est un peu spécial. Et il a essayé de monter sur la table. Et à un moment donné, il a commencé à se frustrer. Voilà, je poussais, repoussais, retentais. Et il a quand même finalement réussi à monter sur la table. C'est très intéressant, en fait. Peut-être que je devrais aussi monter sur une table. Mais je sais pas comment améliorer mes techniques. Ça sert à quoi de revenir
Je reste du même niveau. Fou, faut que je progresse. Mais je sais pas quoi faire. Moi, dans ma vie, j'ai appris une chose. Que les solutions se trouvent rarement devant moi, mais toujours autour de moi. Pourquoi tu me dis ça? Pour que tu sois au courant, parce qu'il me faudrait un peu d'aide pour les cartons. Mais c'est toi qui t'en occupes, c'est pas moi. Moi je suis censé me concentrer sur mon travail, comme on avait dit. Mais un minimum quand même, je vais pas faire tout toute seule. Tu pourrais m'aider, déjà que j'ai pas trop envie de bouger ce quartier. Je le fais pour toi tout ça. Mais t'aider de quoi? Tu vois pas que je suis complètement épuisé, j'en ai marre de ma vie. Pourquoi tu me dis ça? Mais parce que tu devrais quand même un peu m'aider, non? Je suis pas toute seule. Je sais pas, débrouille-toi. On a chacun ses problèmes dans la vie. Mais pourquoi tu me parles comme ça? Je t'ai demandé juste un peu d'aide. Pardon. Je suis désolé. Pardon, Moula, pardon. Je suis désolé, je voulais pas te crier dessus comme ça. C'est juste que... j'ai beaucoup de pression avec ce travail. Mais putain, depuis que je fais ce job... je me bats pour essayer de faire en sorte que les jeunes aient un avenir, pour essayer de faire en sorte que ça change ici, tout ça. Et je récolte quoi quand je donne pour tous ceux qui m'entourent? Des cris, des crachats, des insultes. Quoi? Ils veulent continuer à kiffer, tourner autour du rap, du foot, promotionner la prise de substances stupéfiantes. Et je suis désolé si la personne sur laquelle je défoule mes nerfs, c'est toi. Mais t'es la seule personne qui est avec moi. Aaron. Ouais. Je sais que je t'en parle souvent. Mais la vérité, ça me fait vraiment chier de quitter le quartier. Pourquoi tu m'en parles encore maintenant? Parce que y a tout qui me retient ici, mes amis, ma famille. Y a tout. On en a déjà parlé, j'ai pas le choix. Je peux pas te faire vivre, je peux pas... Je travaille ici, c'est mon lieu de travail, ces rues. C'est trop dangereux pour nous. Je sais que c'est dur. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ouais, je te fais confiance. Poser une question simple. Comment tu es un serpent? Police! La tête. Putain! Aaron! Envoyez des pompes! Faut lui couper la tête. Franchement coach, je voulais m'excuser parce que j'ai vraiment réagi comme un gamin. C'est pas l'attitude que je dois avoir. Je peux tout vous expliquer coach, il y a une raison. Tu me le promets? Je te le promets coach. Oh, donc j'ai trop bien. C'est
C'est elle qui a réussi à me sortir de tous ses problèmes. Et du coup, il est mort de ses blessures. Je suis désolée. Si tu me l'avais dit plus tôt, on n'en serait pas arrivé là. Mais bon, tu sais quoi? On va reprendre depuis le début et je vais t'emmener à un niveau que t'as jamais atteint. Je vais t'avoir une revanche contre Fares ou Dine. Ok, j'attends que ça. C'est bien vous? C'est moi. Je suis là pour toi, écoute. J'ai vu tous vos combats. J'abais. Tout. Comment ça se fait que vous êtes là? Johanna m'a dit que tu voulais être au top niveau, du coup, je suis venu pour t'aider. J'ai vu ton dernier combat. Tu t'es fait péter la gueule, mais t'as du potentiel. On va tout faire pour gravir les échelons ensemble. Ok, je suis motivé. J'attends que ça. Allez, retourne-moi. Du coup, t'as appris les paroles que je t'ai envoyées? Ouais, je les ai appris. Mais elles sont lourdes, hein. C'est toi qui les as écrites? Non. C'est qui alors? Je t'en parlerai plus tard. Ok, ok. Oh les gars, vous allez pas me croire. Vous avez vu ça pour le beatmaker? Il a sorti un nouveau son avec M2S. Attends, wesh, c'est vrai qu'avec moi. Je te jure, tiens, écoute. Y'en a qui me donnent des goûts amers en les voyant jouer les traîtres. On les connaît différenciés, même des fois on les renie. J'suis dans le ghetto, j'entends le bruit de la moto. A 4 sur un tour roule, la scotte à trop d'éternes et tour. Grosse descente, 4 roues ronds sur les coffres et des packs sont prêts à tout pour son charbon. Prends la fuite, c'est Alpépon. Tu l'as fini au pépon, t'as regretté, c'est con. Si tu tiens à ta vie, j'te conseille de baisser d'un ton. Mais bon, montre-nous ce que tu sais faire. Tu sens le goût de la défaite jusqu'en t'entends que tu déterres. Tu regrettes tout simplement de l'avoir fait à l'envers. La roue a bien tourné, j't'avais prévenu, fais pas le dieu père, t'es choqué. J'ai vu des gens couler, eux qui pensaient grimper. Triste réalité, ça passe du gramme au kill, génération cramée. Il est 4 heures passées, j'suis toujours pas rentré dans la vie, tu veux réussir. Ouais, c'est quoi ce bordel, c'est mes paroles là. C'est quoi ce bordel? Freestyle comme des petits gars. Vas-y, mets du encore, fais-le bouger. Pardon les gars. Que des couilles, tu m'as ramené dans ce quartier de merde, les gens ils piquent mes paroles, aucune originalité. Maintenant je fais quoi? Je fais que de monter, maintenant je fais que de descendre. C'est quoi? Va te faire enculer. Mais t'es qui, fils de pute? Je t'ai ramené dans mon quartier, c'était simplement pour mon business. Je me suis servi de toi. Le rap c'est pas la vraie vie, espèce de petite salope. Ah, c'est comme ça. C'est bon, y'a pas de soucis, je vais tracer ma route. Voilà votre commande, monsieur. Mais t'es souris? Mais ça, c'est ton collègue, c'est bon, wesh. Ouais, souris. Ah, t'as grandi depuis la 6ème. Tu te souviens de moi? J'étais en 3ème. Mais tu fais quoi du coup? Tu livres? Bah écoute, j'essaye de faire ma part sur un métier. En tout cas, force à toi. Ouais. Salut. Yanis, je regrette ce que j'ai fait. D'ailleurs, j'y pense tous les jours et je m'en excuse. La scène que j'ai fait vraiment a été vraiment pas cool. Vraiment, je suis vraiment désolé.
tu parles de quoi là? En fait, laisse tomber. T'étais sur quelle fréquence? C'était la 3, c'était la 3. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'avais dit la 1. Quand on m'a mis noir sur plan fréquence 3. C'était quelle fréquence déjà? C'est la 3. C'est pour ça que je te dis ça. T'as bien vérifié. Mais putain, en fait, c'est logique. Cet enculé, ça fait 4 ans qu'il mène en bateau. Écoutez, laissez-moi reprendre l'affaire en main. Maintenant qu'on l'a, je sais comment faire pencher la balance de notre côté cette fois-ci. Écoute, en haut, on n'a plus de soutien. Et depuis ce qui s'est passé avec l'infiltration, Yanis, tout ça, franchement, je ne prends aucun risque pour vous. Donc je suis désolé, mais on va se tenir à ce que... Désolé de quoi? Vous allez arrêter maintenant? Après tous les risques qu'on a pris? Vous allez pas me dire qu'on va se soumettre maintenant? Écoute, tu suivras ce que je te dis de faire et on fera comme ça. D'accord? On fera comme ça. Mais putain de merde! Mais putain! Écoute-moi bien, t'es là pour prouver, t'as compris? On est là, on a travaillé tout ce temps, on n'a pas bossé comme des chiens pour rien, tu vois. Du coup, j'espère que t'es prêt. Je suis prêt, coach. C'est bon? Je suis prêt. Les gars, Vincent, s'il vous plaît. Pas de coups de bois, dans le respect, ok? Encore, tu le tiens. Comme à l'entraînement, Forest, montre-lui. Quoi? Tu le domines, Média. Tu le tiens. Tu le domines. C'est le tien.
On n'a pas travaillé pour rien, donc s'il te plaît, fais-nous le top. D'accord? Ouais. Bien joué. Te laisse pas impressionner, c'est ton round. Fais gaffe, tu as déjà battu une fois, tu peux le refaire. Ça attend maintenant. Vas-y. Tout va bien? Prêt à reprendre le combat? C'est bon. Ok, on y va. Dans ma vie, j'ai appris une chose, que les solutions se trouvent rarement devant moi, mais toujours autour de moi. Moi, la case à côté. Messieurs, au centre, s'il vous plaît. Donc, par décision des juges, c'est une égalité. Rien du tout. Ça prend de la vie. Ça prend de la vie.
Salut mon bouffon de fils. Faites quoi? J'ai dit salut mon bouffon de fils. Quand tu me traites de bouffon? Depuis quand tu réponds? Et alors? Je suis ton père. Merci. Tu sais pourquoi je te traite de bouffon? Quoi? On a un garage. Il est connu dans la région, il est réputé. Les gens le connaissent, Ahmed. T'es en train de déshonorer la famille. Regarde-toi avec ton sac orange. Tu t'es vu? T'as paniqué ma carrière. Et ton quartier de merde, vous allez faire quoi pour tout ça? T'assumes le quartier en plus. Ouais, tu vas faire quoi? Vous allez faire quoi d'ailleurs? Allô? Il va faire le bouffon avec son sac orange. Il va qu'est-ce que j'en fous? Qu'est-ce que le bouffon? Oh, je dois me lever à 6h du matin pour préparer à manger, à aller dans toute la ville avec mon vélo, tu me traites de bouffon, c'est ça en fait? C'est pas comme ça, c'est ton père, mais... T'es là, mais... Ferluc, pseudo-rappeur, là. T'es rien du tout, t'insultes le quartier en plus. Mais t'es... Tu regardes les gens de haut, mais t'as aucun honneur. Voilà, frère. Je t'entends. Attends, je te dis clairement, t'es le seul là. T'es vraiment le seul. T'es là depuis tout le temps que je me rabaisse. Tout le temps que je me casse là. Ah, je vous blesse tous, moi. Je m'en bats les couilles de ton quartier de merde, de tout ça là. Moi, je rigole pas avec ça. C'est pas qui je suis, frère. Oula, tu crois que j'ai peur ou quoi? Tout ça, ce que je gagne, tout ça, c'est les gens qui m'ont donné. Ah, je vous prends tout ça à part, tu crois quoi, frère? Tu me prends pour qui? Tout ça, c'est les gens qui me payent, tout ça qui me payent en plus de moi. Tout ça, ils me donnent ça. Parce que moi, je travaille dur. Tu manques de respect comme ça? Tu me casses la tête, en fait. Tu crois quoi, frère? Et je te dis. Fais-en encore une fois, frère. Tu bouges pas! C'est non, l'air! C'est pas moi, c'est pas moi, c'est trompé de personne! Qu'est-ce que vous avez? Ça fait un peu de temps! Le 3 jours, moi là! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, bouge pas, vous savez pas qui je suis là! Regarde-moi bien, j'allais entendre parler de mes avocats, vous allez voir, je te rappelle mon visage. Vous me lâchez pas. Tu te rappelles mon visage. C'est pas moi. On s'est fait une promesse il y a 4 ans. C'est pas moi, je ne trompe personne. Là, on est venu l'honorer, là. C'est pas moi. Ouais, allô Mourad, j'arrive dans 2 secondes, attends-moi, ok?
Ah, j'y croyais pas, hein. Je pensais que l'affaire allait partir au parquet et terminer. Si t'avais pas été dans l'équation, mon pote, jamais de la vie on aurait pu faire en sorte d'attraper ce petit bâtard. Hello! Souris! Souris! Bob, la tarot, elle fait le bruit d'un ocre. T'es N noir, c'est toujours la mode. Je les rafale, je suis comme dans Calor. Demain sera peut-être meilleur. Dans son corps, je plonge comme Manuel Neuer. Les journées passent vite, je vois même plus passer l'heure. La moto qui crie avec un bruit d'erreur. Oh, demain sera peut-être meilleur. Mais bon, l'espoir fait vivre d'ailleurs. On a débarqué massif, temps en sueur. La hague paye pas ton heure, sera ton heure. Oh, demain sera peut-être meilleur. Sur mon fait qui a, je vois même plus passer l'heure. Sale routine, mon ami, chabonné des terres. On va tous les faire, tout le monde va se taire. Tard dans la nuit, je m'enfume devant la ligne. Je clave de MZ pour en faire face à une. Faut toucher la salle. Pour faire rentrer la crime, je veux que la bête de MZ pour rentrer face à une. Pour le micro petit ne parle pas ah. La rue t'apprendra l'omerta ah. Chargé bas ah ah, je vois que le ma ah ah. Cette année c'est nous, sache les gras ah ah. Au comico petit ne parle pas ah. La rue t'apprendra l'omerta ah ah. Chargé bas ah ah, je vois que le ma ah ah. Eh. Eh, tu te manges la bastos, mais fais un tarose. La vie est une rose avec des épines qui te coupent le doigt. Si tu me vois pas, je te guette depuis le toit. Avant de dormir, j'ai pensé à toi. Je te sens touché, mais je parlais pas de toi. Tu te sens visé, mais je pense pas à toi. Ça me fait tout bizarre quand j'entends sa voix. Eh, j'oublie pas ce qu'on s'est dit, j'oublie pas ce qu'on a fait. C'est mère de ZB au mic enculé. Tu parles beaucoup trop, t'as vu reculer. Ramène toute une équipe, ça va vous enrhumer. Cric, cric, pow. Mère sur la mélo, pelo, j'back pow. Faut au moins un milieu sous le matelas. Faudra les thunes à Maradona, tes potes faut pas les donner. Gros, travaille pas la Honda. Encore je plonge comme Manuel Neuer. Les journées passent vite, je vois même plus passer l'heure. La moto qui crie avec un bruit d'erreur. Oh, demain sera peut-être meilleur. Mais bon, l'espoir fait vivre d'ailleurs. On a débarqué massif, temps en sueur. La hague paye pas ton heure, sera ton heure. Oh, demain sera peut-être meilleur. Sur mon mec hier, je vois même plus passer l'heure. Sale routine, mon ami, chabonné des terres. On va tous les faire, tout le monde va se taire. Tard dans la nuit, je m'enfume devant la ligne. Je veux que la bête de MZ vous rentre face à une. Faut toucher la SACM pour faire rentrer la crime. Je veux que la bête de MZ vous rentre face à une. Y'a qu'un à cacher la recette. On t'en coule, c'est plus un secret. On teste ça sans un regret. Bientôt tu nous vois en concert. B2MZ sur scène, tu sers. La rue, poteau, et ça, tout le monde le sait. BZ Zou, viens voir, c'est chaud. Y'a du nouveau, gros, viens pécho. Y'a 5 sens, mais plein d'acteurs. Je sais que tu danses sur son menteur. On envoie la tape à ta peur. M2S, mais au mode d'acteur. La rue, poteau, et ça, tout le monde le sait. BZ Zou, viens voir, c'est chaud. Y'a du nouveau, gros, viens pécho. Y'a 5 sens, mais plein d'acteurs. Je sais que tu danses sur son menteur. On envoie la tape à ta peur. M2S, mais au mode d'acteur. Ça fait la rue, poteau, et ça, tout le monde le sait. BZ Zou, viens voir, c'est chaud.